Allez, c'est parti. C'est parti. Bah là, on fait la révision des winches, en fait. C'est un peu classique depuis le début de l'expé. Hein. Là, le bateau va arriver à Québec. Après, ils vont aller à Lorient. Donc, ils vont naviguer pas mal à la voile. Donc là, on vérifie un peu que tous les winches soient en état. Pour pas qu'il y ait de problème pour le convoyage, quoi. Donc, ouais, c'est le moment de le faire. On profite des moments calmes comme ça pour faire ça. Alors, l'intérêt du winch, tu le rappelles, c'est quoi? Bah, il y a des grosses tensions sur les écoutes, sur tous les boots. Là, il y a des grosses tensions parce que le gréement il est assez lourd. Donc bah voilà, ça permet de démultiplier les efforts. Et voilà, ça renvoie la tension sur le winch. Tu vois, on vire tout, on va le mettre à nu en fait. Après. C'est l'horlogerie là. Voilà, là c'est le plus sympa parce que c'est assez minutieux comme. Là c'est pareil, il faut tout enlever, tu vois. Il y a des petits roulements partout, des petites clavettes. Donc il faut vérifier qu'il y ait bien les petites tiges, les petits ressorts. Voilà, qu'elles marchent bien, qu'elles ne soient pas bloquées par le sel. Puis il faut les enlever, les nettoyer. On va tout démonter. Hein. Ça va te prendre à peu près combien pour nettoyer un winch comme ça? Bon, il faut une demi-heure, faut une petite heure en tout, quoi. Le temps de démonter, de nettoyer, de vérifier s'il est propre, ça va vite. S'il y a beaucoup de sel, il faut une bonne heure, quoi, par winch. C'est assez propre, là.